Alors là, donc, on est en train de mettre le plastique. Il y a plusieurs solutions. Soit on utilise un plastique très fin, l'épaisseur la plus fine, c'est pas réutilisable, c'est une campagne et puis c'est fini. Et alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de l'utiliser, celui qu'on va utiliser là, qui est un peu déchiré, pas mal déchiré, on doit en être à notre troisième ou quatrième utilisation. Alors la première année, on les réserve pour les concombres et des courgettes, et puis au fur et à mesure, plutôt que de les jeter, parce qu'on trouve que c'est quand même dommage, et on les réutilise. Le but de ces plastiques-là, ça va être, un, de lutter contre les mauvaises herbes, et deux, de réchauffer le sol. Même s'ils ont des trous partout, et qu'il y a quelques herbes qui vont passer à travers, c'est pas dramatique. Le but recherché là, ça sera de limiter un peu les herbes, et surtout de réchauffer le sol, quoi. L'endroit où on a mis les potimarrons là, cette année, il y avait une ou deux plaques de chien-dent. Donc en fait, pour lutter contre le chien-dent, on peut le désherber, mais comme les potimarrons après occupent toute la place, le chien-dent il repousse après sous les potimarrons, et donc ça le... on ne peut pas le désherber, on n'arrive pas bien à le désherber. C'est pour ça que cette année on les a mis sur plastique, pour un peu freiner un peu la prolifération de chien-dent. Ça fait aussi des légumes, je trouve, qui sont plus beaux, comme ça réchauffe le sol, enfin, ça doit garder le chaud et l'humidité. Bah, du coup, notamment sur les salades, il y a une grosse différence entre des salades qui sont faites sous plastique et d'autres qui sont faites tout simplement par binage. J'ai fait zéro désherbage et j'ai ramassé mes salades, donc quand même un gain de temps et de productivité qui est quand même intéressant. Et les courgettes, c'est sur toile tissée, donc... Voilà, je trouve ça quand même plus écologique que le plastique. On peut réutiliser la toile tissée après l'année d'après. Et puis sur les chemins, je mets de la paille. La paille, j'en ai utilisé. Donc j'ai fait des essais en plantant des poireaux dedans. Donc j'avais travaillé le sol à la rotobêche au printemps l'année dernière. J'ai paillé, j'ai dû mettre 40 cm de paille. J'ai planté mes choux, je pense mes poireaux un mois et demi après. J'ai pas désherbé ou presque pas. Enfin, il y a eu quelques grandes mauvaises herbes, mais vraiment c'était super. Mes poireaux étaient jolis, donc j'ai laissé la paille en place comme ça. Cette année, j'ai replanté des oignons dedans. Et par contre, alors là, j'ai plein de liserons, orties et chardons. Donc en fait, la paille, je vois que ça marche une année. Et quand je ne retravaille pas le sol, et le fait, je n'ai pas dérangé du tout ces adventices-là pendant un an. Et du coup, elles en ont bien profité. Et moi qui voulais, du coup, suite à cette expérience-là, me dire « Ouais, super, je vais pailler énormément de choses », là, cette année... je ne sais pas si je vais mettre de la paille dans mes allées serres, peut-être, mais je suis super réticente, en fait. J'ai eu paillé mes courges. Je paille concombres, courgettes, blettes, ça arrive. Cette année, je vais le faire. Et tout ce qui est sous serre. Donc là, avec du broyat et de la paille, c'est très bien. Tu utilises broyat ? Broyat, paille, ça va être la première fois. Et broyat ? Et broyat, ça fait 3-4 ans que je mets ça, quoi. Alors, des fois, j'ai des chutes d'azote. L'an dernier, je vois, j'ai mis tous mes plants, je les avais mis super tôt. Et ils jaunissaient, ils jaunissaient, ils jaunissaient. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon broyat, pour se transformer, avait utilisé l'azote du sol, quoi. Du coup, j'ai fait du purin d'ortie, du purin d'ortie, du purin d'ortie, et c'est reparti. Mais j'ai perdu un mois, quoi. Limiter les adventices, énormément, et les arrosages, quoi. Par contre, le souci qu'on va avoir à l'extérieur, c'est que si d'un seul coup, il se met à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, faut virer tous les paillages, quoi. Pourquoi ? Parce que l'humidité va rester, quoi. Il y a certains légumes qui vont en pâtir, quoi. Et le deuxième inconvénient que je verrai au paillage, c'est que c'est un super lieu d'habitation pour les limaces. Mais sinon, après, c'est que
En plus, ça se vu que tu si tu pailles avec de la matière organique, il y a un moment où elle va nourrir ton sol, donc c'est pas mal non plus, quoi. Cette année, j'ai vraiment choisi de faire le maximum de plantations sous plastique. Parce que tout simplement pour avoir un gain de temps, parce que sinon je suis vite débordée par l'herbe. Et effectivement, c'est pas ce qui me convenait trop au départ par rapport à l'éthique, voilà, parce que mettre du plastique ça m'enchante pas vraiment, mais vraiment c'est un gain de temps incroyable. Il n'y a quasiment pas besoin de faire de désherbage. Et du coup, j'arrive beaucoup mieux à entretenir mon jardin et que tout le reste qui n'est pas sous plastique soit propre, que je puisse aussi avoir un peu plus de temps pour moi personnellement, que voilà, 70 heures par semaine j'ai déjà fait, mais voilà, il faut quand même tenir dans le temps et au bout d'un moment, quand on a une vie familiale, on a aussi envie de se poser aussi un peu plus. Ça fait 30 ans peut-être ou plus, que je ne sais pas combien de temps maintenant qu'on est sur ce terrain. Et il n'y a pas de plastique qui traîne, on n'aime pas trop ça. Donc que ce soit ça, que ce soit les liens pour attacher les tomates, etc. On n'aime pas bien qu'il y ait un morceau de plastique qui traîne. Ça nous est arrivé d'aller voir ailleurs et de voir des jardins qui récupèrent par exemple des composts urbains ou des choses comme ça, et puis voir des champs, travailler dans un champ de plastique, moi des plastiques bleus, ça me dirait pas trop, quoi. Et donc du coup on fait attention à ça, à chaque fois de récupérer tout, d'autant plus que maintenant nous, au niveau de la communauté de communes, toutes ces choses-là sont triées à part et sont recyclées, donc ça serait un peu bête de pas le faire. Pourquoi je veux plus c'est un choix, hein. Déjà dans le champ où j'ai mis du plastique, t'as l'impression d'être dans une déchetterie, quoi. Il y en a de partout, c'est dégueulasse. Et puis en fin de saison, ça me fait suer de remplir des poubelles avec du plastique qui aura servi qu'une fois. Alors effectivement, c'est plus rapide, mais écologiquement, ça me fait suer. Et puis j'ai l'impression que la terre, elle travaillait pas super bien en dessous, quoi. Sous le plastique. Ouais. C'est flagrant. On voit l'endroit où on a mis les courgettes, parce que la terre, elle est beaucoup plus dure et tassée, en fait. Parce qu'avec les plastiques, ça a quand même tassé avec la pluie qui est comme ça. Et au printemps, il n'y a pas les mauvaises herbes. Parce que nous, en fait, on laisse les mauvaises herbes repousser au printemps, on les tond et on va la bourre derrière. Et il n'y a rien qui tire. C'est-à-dire que les mauvaises herbes ne poussent pas, puisqu'elles ont été tuées l'année d'avant par le plastique. Quand il y a de l'herbe qui pousse dessus, eh bien, ça pompe l'herbe pour pousser, elle pompe l'humidité qui est dans le sol. Et les endroits où il y a le plastique, des concombres et des courgettes, Didier il dit toujours, c'est un endroit où, quand tu es labouré, c'est moins bon. Des endroits où il y a eu ces plastiques-là, en fait, il n'y a plus de mauvaises herbes. Et donc, à ces endroits-là, il n'y a rien que pour tirer l'eau, en fait. Et donc, quand j'arrive là avec ma charrue, je le vois tout de suite, parce qu'à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus mou qu'ailleurs, en fait. Au niveau, je vais faire un labour qui sera beaucoup plus lisse sur cet endroit, qui sera lissé. Quand on laboure, on le voit bien. Et si la terre est essuyée, ça fait un labour normal qui se délite normalement. Et si la terre est plus humide, donc vous voyez comme quoi il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'un plastique comme ça pour que le labour soit différent. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on voit mon exploitation, c'est ce plastique-là, quoi. Mais je me suis dit, je mets du plastique, mais j'irai vers autre chose, vers de la paille. Mais en fait, là, mes essais font que je reste encore avec mon plastique. Et voilà. Mais si je veux vivre de cette activité, je pense que je vois pas d'autre solution, parce que je suis toute seule. Et à la fois, si je mets pas du tout de plastique, du coup, j'aurai beaucoup de désherbage, mais il faudra que je fasse moitié moins de surface, et voilà, donc le chiffre d'affaires baissera. Donc, c'est histoire de compromis entre tous ces facteurs-là que tu as dénoncé, quoi. Après, voilà, c'est chacun ses choix-là, mais voilà.